Voilà, donc aujourd'hui on est là pour faire l'unboxing du Xperia Z5 Compact. Donc déjà c'est assez marrant parce qu'on peut voir qu'avec les trois couleurs ça fait le drapeau belge, trop drôle, vraiment trop drôle. Donc, oula, ma caméra qui part en couille. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper ça avec un tournevis, méthode parfaite hein, évidemment. Bon, c'est bon. Et de l'autre côté aussi. Putain, vous voyez rien. Ça coupe pas le tournevis, c'est horrible. Je vois rien à ce que je fais en plus. Bon, voilà, c'est vrai. Alors. Wow. Donc, à l'intérieur de la boîte, on a quoi? On a le téléphone. Très beau téléphone, magnifique. Qu'on allumera plus tard. Et c'est tout. En plus, c'est vrai. C'est vraiment tout. Parce que... Non, c'est pas tout. Évidemment, il y a le chargeur. Mais il n'y a pas d'écouteur. Il y a juste un câble. D'accord. Donc, ils s'en battent les couilles, quoi. Rien du tout. Ok. Voilà. Bon. Super comme unboxing. Hein. Il y a juste le téléphone dans la boîte. C'est tout. J'achèterai encore mes téléphones en Italie, sûrement. Ah non, pas envie. Bon, en tout cas, c'est cool, il a l'air bien. Donc on va l'allumer. Et voilà. On va pas attendre qu'il s'allume, par contre, parce que sinon ça va prendre des plombes, vu que c'est le premier démarrage. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire, n'achetez pas votre téléphone en Italie, ça va prendre des mois à venir. Achetez-le plutôt 100 € plus cher ici. Le pire, c'est que je rigole même pas. Hein. Parce que là, j'aurais quand même bien aimé avoir des écouteurs avec. Ça me fait un peu chier, quoi. En tout cas, il est quand même vraiment très beau. Donc, très belle finition. Il n'y a rien à dire. Hein. Le plastique autour fait pas du tout cheap. Loin de là. Et voilà. Ça a l'air d'être vraiment très propre hein, comme téléphone.